Le crapaud est parti. Le crapaud est parti depuis longtemps. Depuis longtemps. Et la princesse a épousé le prince. Et ils eurent tous deux beaucoup d'enfants. Elle est vraiment bien celle-là, ouais, Mathieu. Ouais, hein. Avec les costumes, ça va péter. Dans les costumes, on verra. Mais non, celle-là est vraiment bien. Moi, je la valide. T'as vu comme Vivien a retravaillé le texte ? J'aimais bien la version 1. La 2 est mieux, je t'assure. Hein, okay. Naïf, c'est naïf, pédagogique, c'est pour les 4-7 ans. Voilà, là vraiment. On te rappelle le brief de Pirouette et Boule de Gomme, notre groupe. Ouais. On est vraiment sur un public ciblé. C'est du 4-7 ans, naïf. Pédagogique. Voilà. Pour dans une semaine, t'as d'autres chansons à nous proposer? Ah bah j'en ai plein, ouais, j'en ai plein. Ah t'as bossé? Ah ouais, bah, j'ai eu que ça à foutre pendant un mois et demi. Donc, Ah mais c'est génial ça, ouais. C'est cool. Eh ben je vous le dis alors, bonne nouvelle. Yes. J'ai pas dit. Aujourd'hui, il y a... Yes. Non, mais attends. Il y a Bertrand Malzieux. Yes. Attendez, j'ai pas dit qui c'était. Donc c'est le directeur de la DRAC. Énorme. Yes. Énorme. Ouais. Énorme. Yes. Direction régionale aux affaires culturelles. Énorme. Bertrand, yes. Attendez, énorme. Les gars. C'est énorme. Bertrand Malzieux va sans doute venir nous voir. C'est yes. Énorme. Ouais, ouais. C'est énorme. Yes. Vraiment, c'est les gars. C'est énorme. Ouais, ouais. Yes. C'est énorme. Yes. C'est énorme. Il va venir nous rendre visite pour. Oula, c'est énorme. Yes. Ouais. Il va venir nous rendre visite pour voir notre travail. Yes. Ouais. Attendez, les gars. Et si jamais il valide nos chansons de Pirouette et Boule de Gomme, il nous achète 14 à 15 concerts dans des écoles maternelles et primaires. C'est maintenant, en fait. C'est énorme. Yes. Ouais, voilà, ouais. Yes. C'est énorme. Énorme. Donc, tu peux faire quoi? Tu peux faire une heure, 45 minutes avec ça? Oh, une heure et quart, même une heure et demie. Ah, c'est trop pour les enfants. C'est trop. 17. Ouais, non, mais ils ont 17 chansons. 17 chansons. Ouais. C'est beaucoup parce qu'ils ont la sieste, hein, les enfants. Et puis, à un moment donné... Attention. Yes. Elle chute. T'es parti sur quelle thématique là, sur les chansons? J'ai une thématique par chanson, donc comme ça. C'est bien. On les écoute. J'en ai une sur la famille. Par exemple. Ah, c'est bien la famille, ça c'est bien. Naïf, c'est fédérateur, ouais. Naïf pédagogique. C'est bien, ouais. Qu'est-ce qu'il se passe dans la chambre de papy? On y entend plein de tout petits cris. Mamie l'y a rejoint depuis une heure pour lui apporter un bol de bonheur. C'est mignon ça. Papy se fait sucer, papy se fait sucer, papy se fait sucer par mamie. Papy se fait sucer, papy se fait sucer, papy se fait sucer par mamie. Qu'est-ce qu'il se passe dans le grenier de ta tante? On y entend des bruits sous la charpente. Qu'est-ce qu'il y a? La tente là, pareil, c'est... couplet hyper mystérieux. Ouais. Tac, 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 on monte dans le grenier, on ouvre la trappe. Et paf, elle se fait sodomiser par un légionnaire. Non. Oui, non, parce que le légionnaire fait pas forcément partie de la famille. Non, c'est pas ça, c'est le propos en fait. C'est le, ouais. C'est parce qu'en fait, le couplet il est bien et le refrain il est super chaud. Ah ouais, c'est chaud, le refrain c'est chaud. Ouais, ouais, toutes les allitérations en S, la papi. Non. En fait, c'est trop Bobby Lapointe. Non, c'est l'image. L'image. C'est l'image de mamie qui suce papy pour les 4-7 ans. Je pense qu'on est loin du brief. Ouais, là on n'est pas dans le brief établi. Bah, en même temps, c'est une belle parabole sur l'amour à tous les âges. Ouais, mais on l'a pas. Non, ils n'auront pas, les gamins, la parabole, je t'assure. Hein, Non. Sinon... Quoi? Peut-être j'en ai une sur les cow-boys. Voilà, c'est ça. C'est les cow-boys. En tout cas, en plus, moi, en l'état, la première, en l'état, à moins que Vivien retravaille le texte, moi, je la valide pas. D'accord, on la met de côté? Ouais. Mais je vous cache pas qu'il y a quand même du boulot. Ouais, il y a du boulot. J'en ai une sur les cow-boys et là c'est bien, c'est fédérateur. Ouais. J'ai tout de suite imaginé Vivien avec le costume. Non, les costumes, on verra. C'est country quoi. Ouais. C'est western quoi. Ouais. Un peu à la Johnny Cash. Non. C'est pas facile d'être gardien de vache. Ça fait pas toujours plaisir aux Apaches. Car toujours avant que l'aube ne vienne, il y a des Indiens qui violent des Indiennes. Non. Et prête. Il y a des.
cow-boys qui violent des indiennes. Des cow-boys qui violent. Ah bah là pour le coup on est dans la réalité de ce qui s'est passé vraiment. Hein. Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont arrivés, ils ont regardé dans le village, ils ont pris les 2-3 potables et bam. Vraiment. Ouais, mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. On reste vachement sur l'image. Ah. Ouais, vraiment, ça reste un viol. Ça reste un viol, ouais. Vraiment. Vraiment, je t'assure. Hein. Ouais, mais vous vouliez quoi que je parle de, je sais pas, des indiens qui sont massacrés, du sang dans le caniveau. Là, je trouve que pour le coup, c'est plus imagé. Oui, ouais. Mais t'as peut-être des images qui sont un peu fortes. Ouais. Et ouais. Puis surtout, c'est la question que je me pose, est-ce que les enfants arriveront à se projeter dans le viol? Ouais. Et puis, j'ai même envie de dire, est-ce qu'on a intérêt à ce qu'ils le fassent? Eh ben non. Voilà. Non, tu vois, sur un plan... Sur un plan juridique, voilà, tout ouais. Simplement juridique, en fait, par rapport à l'illégalité... Non, mais attends. Ouais, attends, il est malheureux. On ne rejette pas tout en bloc, vraiment. Il y a des choses très bien dans ce que tu proposes. Ouais. La musique... T'as beaucoup de talent, Mathieu. Oui, et beaucoup de talent. Et d'ailleurs, méfie-toi. Ouais. T'es pas à l'abri. Voilà, la musique est vachement bien. Oui. C'est des petites comptines très naïves, c'est super intéressant. On les garde dans la tête, ça c'est super. C'est top. Alors après, il y a les paroles. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Et alors, il y a tant de manières d'utiliser les mots. Oui. Les sonorités, tu jongles avec un peu comme un jongleur, comme un funambule. Un funambule, c'est une belle image. Ça c'est vachement vient, intéressant. Ouais. Un peu à la Chédide, le oui, père, tu sais. Oui, un peu à la Jonas. Mm. Oui, voilà. Voilà. Ouais, Bobby Lapointe, quoi. Non. Et tu vois, alors c'est... C'est vraiment du fédé, j'ai perdu mes clopes, j'ai paumé mon froc, ouais. Qu'est-ce que tu débloques? Tu vois ce que je veux dire? Dans la fusée, mon bloc décolle, fusée. Voilà. Comme une... ouais. Mais c'est, ouais, je crois que c'est les angles après peut-être. Hein. Voilà, c'est juste les angles avec lesquels tu abordes les thématiques qui ne sont pas forcément les mieux choisies. Là, tu vois, sur la famille, il y a un angle comme ça et nous, on voudrait que tu... Voilà, c'est l'autre angle. Ouais, plutôt dans la chatte à mamie. Non. Non, c'est pas bien. C'est ce genre de choses-là. Ouais. C'est plus classique. Ça, c'est pas bien. En missionnaire, c'est peut-être. Non, mais non, ça, c'est pas bien, ça, tu vois. On est vraiment hors brief de pirouette et boule de gomme. T'as quelque chose, je sais pas. Change d'univers sur les animaux, par exemple. J'en ai une sur les animaux. Ah, bah voilà, super. On oublie tout le reste, mais c'est des répètes, hein, on a le droit. Hein. Et les animaux, c'est fédérateur. Ouais. Et les anguilles, elles sont gentilles. Elles peuvent rentrer dans tous les trous du cul. Non, pardon. Pardon, c'est de notre faute. Je pense qu'il voilà, il faut qu'on pose des trucs. On peut se le fixer maintenant, on évite tout ce qui rentre dans le cul. Ouais, puis tout ce qui en sort à la limite aussi. Oui. Hein, en fait. Voilà. Vraiment. En fait, on évite tout ce qui est mouvement, des va-et-vient. Voilà, ouais, voilà. À proscrire. Je t'assure, Matt, c'est hyper difficile de mettre de la naïveté dans tout ce qui est viol, sodomie, fellation. Ouais. Bah, du coup, je vais passer directement au troisième couplet, ouais. Qui est là, qui est que sur le jeu de mots. Et en plus, j'ai acheté un costume. Non, les costumes, on verra. Et les lapins, ils sont chafouins. Ils peuvent rentrer par le trou de la pine. Allez, on les passe. On les passe pas d'égo, on les passe une par une, on dit oui, on dit non, on bosse. Zut, je ne trouve pas de pute. Non, celle-là, par exemple. Un peu de Django Reinhardt, là. Non. Et ça pue la merde, ça pue la merde. Non, celle-là non plus. Naïf pédagogique. Crotte. Je ne trouve pas de chiottes. Non, c'est la même. Oui. C'est le truc des putes, c'est la même. Ah ouais, et déjà, j'étais pas. Ouais, mais j'étais pas fan ouais, de l'autre déjà, tu vois. Moi, ce que j'aime pas chez les PD. Double nom. Double nom. Mais si on met une moustache. Mais les costumes, on a dit qu'on verrait. Y a quelqu'un qui a chié dans mon casque. Non. C'est une chanson sur la moto. Non. Et puis là même, je vais te dire, rien que le personnage, il est flippant. Ouais, c'est flippant, ouais. Ouais, la voix et la moto, c'est dangereux c'est pour les enfants. C'est anxiogène la moto. C'est la pas moto fédérateur. Pour des c'est gamins. C'est pas fédérateur 4, la moto. Ans, tu te rends pas compte. Puis c'est pas la question. Il défèque dans son cas. Non, ouais. C'est pas vraiment. Je t'assure. C'est pas naïf. C'est pas naïf. C'est pas pédagogique. Il y a rien de c'est pas fédérateur. Comment c'est pas qui c'est hyper. Non. Je t'assure, on est. J'ai escaladé le Mont Blanc comme un aventurier vaillant. La neige et son grand manteau blanc tout en luttant contre le vent.
Eh ben voilà, parfait. Mais super. C'est super ça, Mathieu. Voilà. Mais voilà, alors, mais là, ça c'est génial. Ça. Mais bravo, j'applaudis. Bravo, Mathieu. Ça c'est super. Tu vois, et t'entends ? C'est ouais. Vraiment là, on se projette dans le concert. Et, tu vois à quoi ça sert la répétition ? On dit non, 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 non. Non. On dit non, vraiment non. Non, voilà. Non, non, non. Et là, boum, on tombe sur une perle. Tu viens de nous lâcher une belle perle. Là. Non. Ouais. Et là, vraiment. Donc, là, on la valide. Et là, c'est là, on a dit non, 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 non. Et là, boum, on dit oui, un gros oui, on la valide. Elle est un tout petit peu courte, s'il faut. C'est dommage. En même temps, j'ai pas fini. Peut-être que. Ah, bah alors, on peut se la recommencer. Ah, tu l'as. Ah oui, elle dure, en fait. Oui, oui, ah, bah oui, c'est oui, génial. Oui. On se la refait comme ça. On travaille. Si monsieur Malzieu arrive, comme ça, on pourra lui proposer celle-là. C'est génial. Et bravo, Mathieu. Bravo. T'as un vrai talent. T'as un vrai beau talent. T'entends ? On se projette, déjà. On se projette déjà. T'as un vrai. Ouh, c'est beau, ça. Cette mécréme, j'ai les poils. Essaye-le sans ça pour voir. Ouais, sans le. C'est mieux. Ah, c'est beau. Hein. C'est très beau, ça. C'est très beau, ça. T'entends ? Bossa. Ouais, c'est Bossa. Très... Tu te souviens du dernier album d'Elysse Moon ? Oui. Oui. Eh ben, on est là-dessus. On a. Bah, on est là. On est là. On est au coin du feu. Il y a les enfants. Il y a Ellie avec sa guitare. Ah, c'est très beau. Ouais, c'est très, beau. Très beau. Qu'est-ce que c'est beau. Un peu. Ouais. C'est un peu Brasileiro. Ouais. Non, 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 non. C'est vraiment Bossa. Ouais. J'ai escaladé le Mont Blanc comme un aventurier vaillant. La neige et son grand manteau blanc tout en luttant contre le vent. J'ai escaladé le Mont Blanc avec une vierge sur mon gland. Oh là là là. Ouais, mais j'ai senti que. Ouais, mais c'était quel bien. Dommage. C'était ouais, bien. Ouais. C'était ouais. Bien, et d'un coup, c'est pas c'était bien. C'était pas bien. Ouais. Ouais. Quel dommage, avec une vierge sur mon gland. Et puis là, je vais te dire, on l'a même pas, l'image. Non. C'est pas possible. Avec vous avez jamais fait une rando ? Bah si, justement, si. Ouais. Qu'est-ce qu'on a quand on est en rando ? Bah en des rando. Chaussures, un bâton de marche, on a un sac à dos. Voilà, bah, le sac à dos. Bah, tu l'enlèves, parce que tu mets une vierge à la place, et tu la retournes, et paf, tu la mets en front. Mais comment elle tient du coup ? Bah sur mon gland. Ah bah ouais, oui, mais il l'a dit. J'imagine que la Vierge elle est mineure, c'est ça ? Oh non, elle a 25 ans. Ah bah ça, limite, ça va. Non, mais non, mais non, ah non, 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 ça va pas. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Moi, je retiens un gros dommage là-dessus. C'est ni non ni oui, c'est gros dommage. Qu'est-ce que c'est que cette tache ? Bon, c'est du sperme. C'est ça, c'est du sperme. C'est du sperme ? Non, non. Si, c'est un mec qui se branle, et un mec qui se branle, qui s'ennuie, et comme ça, il gicle, il est au chômage, et il est comme ça. Non, non, en fait, c'est là, il gicle, il est comme ça, il se tripote, et puis, c'est ça. C'est une tache de bolognaise, de parce qu'il bolognaise, mange des bolos, et puis il trempe son cigarette, comme ça, paf. Non, non, il mange des spaghettis bolognaise, et... Il est à poil, il mange des bolognaises, et il est à poil, c'est ça ? Non, parce que sinon, il se fait pas de tâche. Il se fait sucer par un chien. Non, il est quoi ? Il y a une meute de loup qui suce sous la table. Non, non, en fait, le mec, il est tranquillement en train de bouffer des bolos, quoi. Et puis, il se fait une tâche, et après, il se fait une tâche de coca. Mais il mange dans quoi ? Il mange dans quoi ? Dans une couche de merde, avec des ongles ? Non, 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 dans une assiette, il mange dans une assiette, et puis... Comme ça, il... Pas du tout. Non, non, non. Non, non, il mange tranquillement dans une assiette. Il est habillé, le mec. Il est... Ouais, ouais, mais c'est... vous savez, les enfants, ils font toujours des tâches. Ah, il y a des enfants, donc il y a des enfants, il vient et puis il dit « Venez, les petits enfants !» C'est ça. Non, il est là. Et, en fait, le projet, c'est qu'il se fasse une machine à laver parce que parce qu'il a... Et là, la machine tombe en panne, il y a un pompier qui arrive et tout. Venez faire chez mon tuyau. Venez tirer sur le tuyau du pompier. Pas du tout, non, il est tranquillement. Il est là, il est en train de bouffer des spaghettis bolognaise, là, avec son verre de coca zéro, là, pour que ça rime avec bolo. Mais il est où, le mec ? Et le mec, il est tranquille, en train de bouffer des pâtes, tranquillement, assis chez une pute. Oh, et, mais c'est pas possible. Il y a monsieur Malzieu. Attends. Bonsoir. Ah. Bonsoir, monsieur. Vous êtes monsieur Malzieu ? Vous êtes Thomas ? Oui, Thomas. Ouais, je suis le leader du groupe Pirouette et Boule de Gomme. Très bien. Bonjour. C'est moi. Et je vous présente donc mes deux. C'est Thomas. Il y a Mathieu. Mathieu qui est vraiment. Vivien. Vivien qui. Okay. Mathieu, il est vraiment sur la composition des. Ouais, puis j'écris les versions. Non, non, ouais, ça c'est plus moi. Ça c'est plus Vivien qui travaille. Je lance les idées de texte. Ouais, enfin les idées de texte. C'est quand même moi qui écris les textes. C'est Vivien. D'accord. Et donc, bon, de mon côté, je me représente rapidement, puisque sans doute votre ami Thomas vous a expliqué, mais je vous réexplique mieux. Je suis donc Bertrand Malzieu de la Direction régionale de l'action culturelle. Il y a une première question qui me vient. Pourquoi est-ce que vous répétez dans une fabrique artisanale de sauce tomate ?
Ah ben ça, en fait, on n'a pas, en fait, alors, on a pas eu les... On a pas eu les... Bon, enfin en bref, fait, on n'a pas eu on voulait justement une subvention et on n'a pas eu les subventions. On voulait des subventions. Bon, ça n'a pas d'importance. Je vous refais le brief général. Donc, nous lançons une opération qui s'appelle Chansons à l'école, qui est destinée principalement aux 4-7 ans. Ouais. Et donc, où nous allons présenter aux écoliers des écoles, comme leur nom l'indique, eh bien, un certain nombre de groupes. Donc, moi, je suis très simplement, Thomas vous l'a dit, venu... valider en somme le répertoire que vous allez chanter et à ce moment-là c'est une formalité en somme, mais il n'y a plus qu'à enchaîner sur les dates, donc je vais vous demander de m'interpréter un certain nombre de titres. Alors, c'est le premier problème. On a un titre mais on n'en a qu'un. Ouais, pour l'instant on n'en a qu'un. Ouais, il y en a quand même quelques, on a quelques pistes. Bon, écoutez, écoutons-le alors. Non mais la première en fait ça raconte, c'est plus celle où il y a le en fait c'est dans un royaume en fait qu'on ne connaît pas. Et il y a une princesse, en fait, qui rencontre un crapaud. Ouais. Et, et dans la version 1, en fait... C'est la version 2 qu'on a gardée. La princesse rencontre le crapaud, et à travers la différence du crapaud, qui n'est pas un humain, qui est donc un crapaud, elle comprend que aimer va au-delà de la différence, évidemment. Et elle lui fait des bisous. Elle l'embrasse, mais ça, c'est dans la version 2. Dans la version 1, elle... Donc, elle l'embrasse et elle se rend compte qu'en fait, le crapaud n'a rien à voir avec le prince, mais que c'était une façon de dire, bah, tu peux aimer les gens, même si... Exactement. Même c'est sur l'ouverture, en fait, sont laids. Aux autres. Et donc, à la fin de cette histoire, le prince et la princesse se mettent ensemble. Oui, mais ça s'arrête. Là, ça s'arrête. Ils faisaient des enfants. Je vous interromps, j'ai malheureusement l'impression, et là ne prenez pas ça comme un jugement de valeur, c'est pas du tout l'objet, j'ai l'impression que vous pensez la chanson à l'école un peu à la mode de grand-papa. J'ai l'impression, là, telle que vous me racontez votre travail, que vous en êtes un peu resté au moment... des gamins naïfs auxquels... Pédagogique. Cette espèce de pédagogie où on parle de choux, de roses, de cigognes et tout ça. Là, je crois que vous n'y êtes pas. Il faut que vous remettiez en tête qu'on est en 2014. On a des gamins qui sont dans la modernité. Et l'opération Chanson à l'école, non seulement n'a pas l'intention d'enfermer les gamins dans cet univers falsifié de bonbons et de sucreries, mais au contraire de leur ouvrir, et ça je pense que vous l'avez compris, de leur ouvrir l'esprit, de leur ouvrir les portes d'un réel aussi. Mais c'est connecté à ça, c'est la différence, le racisme. On est vraiment là-dessus. Mais ça, le racisme, si vous voulez, c'est un combat des années 70-80. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gosses d'aujourd'hui, c'est plus ce qu'ils veulent, c'est un réel, même quand ce réel est cru. Mais c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin, ils ont besoin déjà d'un tremplin. Mathieu me comprend, j'ai l'impression. Si, parce que en fait, mais j'en ai peut-être juste une sur famille. T'en as pas ? J'en ai une sur la famille qui est peut-être plus ancrée dans le réel pour le coup. Alors, allons-y, parce que je vous assure que sinon. Qu'est-ce qu'il se passe dans la chambre de papy? On y entend plein de tout petits cris. Mamie l'y a rejoint depuis une heure pour lui apporter un bol de bonheur. Ben, vous voyez, même objection que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de nous créer, je n'ai pas bien entendu le refrain, vous êtes en train de nous créer un univers, le coin du feu, papy lit son journal en fumant la pipe, mamie tricote, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout ce qu'on attend. Les gosses ont envie de savoir ce que c'est que la vraie vie de papy et mamie. Je vais peut-être trop loin, mais j'ai envie de dire, un gosse d'aujourd'hui, il a besoin de savoir que mamie suce papy. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et bien c'est précisément, et là je vous remercie d'aller dans mon sens, c'est précisément ce que je dis dans le refrain qu'on n'a peut-être pas bien entendu. Alors allez-y, repassez-le moi une fois parce que vous voyez, il faut... Parce que le refrain c'est papy se fait sucer, papy se fait sucer, papy se fait sucer, papy se fait sucer, pas mamie. Je dirais que là on est presque, il ne manque que l'image. Parce que les autres, si vous faisiez un petit peu... Si vous nous faisiez peut-être
l'image. Non, mais nous, on est vraiment sur la musique. Ouais, ouais, ouais. Bon, enfin, bref. Et puis, sur le deuxième couplet, c'est la tante qui se fait sodomiser par un légionnaire. On peut l'entendre, peut-être. Qu'est-ce qu'il se passe dans le grenier de ta tante? Ouais, bah, tout ça, c'est poussière et compagnie. On y entend des bruits sous la charpente. Ouais, bon, d'accord. Mais enfin, ça, le gosse, il rejoint un légionnaire. Ah, OK. Qui est venu la prendre par derrière. OK, voilà, d'accord. Voilà. Qui se fait enculer, tati. Là, on est mieux. Et là, pareil, je ne suis pas du tout metteur en scène, hein, mais là, je crois que les deux, vous voyez, si vous mettiez l'image avec... Avec des costumes bien, non, avec des costumes. Bien sûr, bien non, mais sûr. Les costumes... Non. Ouais, costumes. Mais vous savez, c'est pas ruineux, un costume de gland, vous fabriquez ça très, très facilement. Vous voyez, avec les deux roubignoles avec les poils comme ça. Et là, pour le coup, Vivien... Pour le coup, Vivien, je te vois vraiment dans un costume de gland. Non. Vous voyez, mais c'est bien. En tout cas, continuez dans le sens de ce travail. C'est-à-dire que, vous voyez, on a besoin d'images fortes. Hein, donc, il est par derrière. Je ne veux pas qu'il se trémousse comme ça, comme un idiot, sans rien faire. Il faut vraiment qu'on sente que la bite rentre dans le film. D'accord. Bon, alors, je suis content que vous le preniez avec bonne humeur. Écoutez, en tout cas, je vais vous laisser travailler. En tout cas, monsieur Valdieu... C'est ma carte blanche. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un avis objectif. On est hyper... Bon, écoutez, je vais vous laisser travailler. Ouais, voilà. Juste un petit point. Ouais. Puisque vous êtes très... Comme je vois que vous êtes très... très travailleur et très sur le goût, très réactif, c'est le mot que je cherchais. Eh bien, je dois vous signaler que nous mettons en place une opération chanson dans les maisons de retraite, que nous appelons Seigneur Enchanté. Si jamais, si d'aventure, vous avez un répertoire qui puisse convenir aussi, vous êtes les bienvenus. Je vous dis au revoir parce que j'ai d'autres rendez-vous, j'ai d'autres groupes à entendre. Au revoir, merci, messieurs. Merci infiniment. Et bon travail. Merci, vous en allez, au revoir. Alors peut-être pour les personnes âgées, j'en ai peut-être une. De toute façon, vas-y. De toute façon, j'ai un truc. J'ai envie de vomir. Donc. Les vieux, ils nous font chier. Ils puent la mort et le décès. Mais attendez. Non.